Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 23. Allez, on a bientôt fini, malheureusement il n'y a que 25 jours. Allez, c'est parti, jour 23. Ah, très joli. Alors ça, c'est un leurre que j'avais vu, je ne me souviens plus de la référence, mais c'est un super leurre pour le drop shot, ça, je sais que c'est excellent. Donc moi, je vais l'utiliser en drop shot, petit hameçon numéro 2 ou 4, voilà, et puis à animer comme ça. Il y a deux montages possibles, j'avais vu, on peut le monter soit comme ça ou soit comme ça. Donc très très joli petit leurre, j'adore cette couleur. On va tester tout ça et puis essayer de faire du fish avec. J'ouvre le deuxième, donc le 23 aussi. Donc le 23 ici, dans le coin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de joli aujourd'hui? Encore un joli leurre. Hein. Je me suis vraiment équipé cette année et on va faire du fish avec. Alors regardez-moi ça. Donc, ah, ils sont de plastique. Voilà, un joli petit leurre. Alors, je sais pas ce que c'est comme référence. Ça doit être du Savage Gear, je pense. C'est du Savage Gear. Donc, c'est ça qui est bien. On découpe des leurres tous les jours, des nouveaux leurres. Très, très souples. Donc, pareil, tête à visser. Moi, je préfère les têtes à visser pour le brochet. Un petit trip ici. 5 grammes, ça suffira. Voire 7 grammes. Et très, très lourd. Très, très belle nage. Donc, un joli leurre. En plus, les couleurs sont vraiment sympas. Derrière, il y a un petit... Donc, il doit faire 15 cm. Et puis on va tester ça. Si vous avez des infos sur les leurres, sur les animations, vous pouvez les mettre en description. C'est avec plaisir que je regarderai ça. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao, bye!